Yomi, c'est John de Game of War Studio. Je suis avec The Red Pressure. Vous le connaissez maintenant. Et on part au Ludigork. On est bien bien chargé. On va faire deux jours de festival autour du jeu. Et on va faire des démos de Dead Zone et Firefight de Mantic Games. C'est parti. Salut Yobis, je suis avec Ben de Gore Factory. Gore Factory, donc je suis au Ludigork, donc un festival organisé par Ben et son association. Je suis sur ce stand et j'en profite pour vous annoncer une très très bonne nouvelle. Ça fait un petit moment qu'on se côtoie. Oui, bah même presque en année maintenant, parce que ouais, mine de rien, les premiers contacts, ouais, ça commence à remonter. Ouais, pratiquement un an et demi, ouais, je pense, facilement. Et puis on a eu une grosse sympathie l'un pour l'autre, on a bien adhéré à l'esprit, ce qui a fait que je suis venu ici, que j'étais invité par Ben ici avec le studio, donc Game of War Studio, pour présenter les jeux Mantic. Et Ben m'a proposé tout simplement un partenariat avec la chaîne qui va déboucher donc sur une des réductions, un petit code de réduction. Ouais. Donc moi je vous proposais tout simplement avec un code que je mettrai en place, que John vous donnera pour les abonnés de sa chaîne. Sur mon site, vous aurez un petit code de 5% additionné, qui s'additionnera aux promos que je fais déjà habituel, parce que je fais déjà grosso modo 10% sur la plupart des jeux que je propose, voire 15% sur certains jeux. Donc ce qui vous mènera quand même à une grosso modo à entre 15 et 20% de réduction par rapport au prix éditeur. Ce qui est pas dégueulasse, c'est à savoir en plus que Ben propose quasiment l'intégralité des jeux que nous proposons sur la chaîne et au Centre Obi, et également les jeux donc Mantic, puisque les jeux en distribution aujourd'hui assurent les jeux Mantic et Ben peut avoir les jeux Mantic en commande sans problème. Ouais, parce que moi je travaille principalement avec Légion Distribution entre autres et d'autres distributeurs, mais pour d'autres jeux, mais principalement donc j'ai tous les jeux comme Bushido Carnival que vous avez vu avec John, les maîtres de l'univers, Conquest, tous les jeux Mantic du coup, parce qu'ils arrivent tous au fur et à mesure chez donc Dead Zone est déjà arrivé, Firefight est arrivé, Carnage, Briscard aussi, Moonstone. D'ailleurs on a eu un petit cadeau de la part de Ben et on va vous présenter du Moonstone. Alors non, c'est pas toi qui a eu un cadeau, moi c'est pour la fée clochette, comme ça il y a des témoins, c'est à la fée clochette que j'ai fait le cadeau. Et elle vous le montrera, j'espère qu'elle fera un petit unboxing. Voilà, sur la chaîne bientôt donc Moonstone, qui est un jeu fort sympathique. Écoute Ben, merci beaucoup pour tout, pour ton accueil, la mise en place du partenariat, et donc on vous dit à bientôt les hobbyistes. Ciao ciao. Bushido était présent à ce festival car étaient organisés les Master France par Ben de Gore Factory à la demande même de GCT Studio. C'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gene Paintings, le peintre officiel de GCT Studio pour le jeu Bushido. Tu es le peintre officiel de GCT Studio depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Une dizaine d'années, ouais. C'était 10 ans cette année d'ailleurs. Et tu as commencé comment le boulot de peintre pro ? Alors, peintre pro, bah, c'était un hasard parce que je suis joueur à la base, je suis toujours joueur d'ailleurs, je suis plus joueur que peintre en vrai. Et je peignais pour Eden, je jouais Eden, donc je peignais pour moi et j'ai commencé à prendre mes premières commandes de particuliers.
régulier pour Eden. Et à force de poster sur le forum, et ben c'est Mohand qui m'a proposé, tiens, c'est sympa ce que tu fais, est-ce que tu veux faire un peu de test peinture studio pour nous? J'ai commencé à peindre des studios pour Eden, en fait, le jeu français. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec d'autres studios. Voilà, mais j'ai mis un pied dans, un peu par hasard, parce que le studio Eden m'avait proposé. Et du coup, ils t'ont contacté, GCT Studio, Gordon, certainement? Alors non, il s'est trouvé que c'est moi qui ai contacté GCT, parce que je me mettais à Bushido à l'époque. Et en fait, quand je voyais... alors, ils passaient par des bons sculpteurs dès l'origine. Il y avait du David Herald, du Carrasco, Valentin Zac. Pas des super peintres. Mais pas des super peintres. C'est donner l'impression que les Léonie, par exemple, ils étaient peints tout rouges, en aplat. Ça en aplat. Et ça rendait pas du tout justice au bon travail de sculpture et puis au jeu qui avait déjà des bonnes bases à l'époque. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je commence la peinture studio, justement, j'ai pour Eden. J'ai commencé, je leur ai envoyé quelques images et je peux vous faire des choses beaucoup mieux pour votre gamme. C'est quand même dommage que vous n'ayez pas des peintures en vitrine sur votre site à la hauteur des sculptures. Donc on a fait un essai et oui, il y a 10 ans j'ai commencé comme ça pour eux. Question compliquée, quelle est ta figurine favorite en peinture pour Bushido? Alors je vais pas répondre sur une figurine en particulier. Sur une faction? Mais sur une faction, parce que quand ils m'ont proposé, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais la faction du clan du corbeau, les Shio, qui sont des guerriers samouraïs mais plutôt en mode guérilla, qui avant dominaient l'Empire, qui après se sont fait chasser par le clan du dragon et ils sont revenus en mode guérilla, des longues capes noires dans la gadoue, etc. Les artworks qu'ils m'ont envoyé, parce que j'ai essayé de travailler avec des artworks 2D très très précis, qu'il faut suivre le schéma. Et les artworks étaient très sombres, gris, noir, très austères. Bon alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai une peinture plutôt saturée, plutôt vive. Et j'étais limite déprimé de me dire, bon ok, je peux pas leur refuser, je peins pour eux, mais j'avais pas envie de les faire. Et au final, j'ai mis un peu de bleu dedans, des branchages sur le socle, pour donner un côté poétique qui leur crée une personnalité que j'avais pas dans les artworks. Et finalement, c'est, je pense, la faction que j'ai préféré faire pour eux, alors qu'il y a les kitsune par exemple sont plus colorés, etc. Mais le fait d'avoir twisté quelque chose qui me plaisait pas et d'assez austère en quelque chose d'ailleurs que tout le monde a aimé, aujourd'hui sur le salon j'ai eu pas mal de retours quand on a vu les chiots, ça nous a motivé pour les faire. Je pense que c'est là, voilà, pas forcément en termes de peinture ou de difficulté, mais c'est dans le twist que j'ai réussi à faire par rapport à ce que j'aimais pas à l'origine dans le concept que je dirais que c'est ma faction préférée. Ouais. Attention, question piège, quelle est la figurine qui t'a posé le plus de problèmes à mettre en peinture? Et ben sans aucun doute, c'était la référence qui s'appelle, alors ça dépend comment on la prononce, moi je la prononce Moïse, certains Moïse, c'était dans Yurei, cul de Yurei, un Burakumin, donc un paysan, mais avec en toge assez luxueuse, avec un éventail, zombie dans le dos. Ça c'était pas le problème, mais l'artwork, c'était la première fois que je recevais un artwork hyper détaillé avec un dragon qui entourait toute la robe, des nuages, etc. J'étais pas forcément à l'époque très à l'aise avec les Friennes, et j'ai sué toute l'eau de mon corps à essayer de reproduire le dragon. Ça a été un carnage, je l'ai refait plusieurs fois pour un résultat qui m'a jamais satisfait, qui me satisfait toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc c'est celle-là que j'ai le moins aimé peindre, je dirais, ouais. En termes de jeu, quelle est ta faction préférée, ta faction de cœur en termes de jeu? En termes de jeu, j'aime beaucoup les Yurei. Déjà je la joue, je joue que deux factions, les Bakemono et les Yurei. J'aime bien parce que j'ai toujours bien aimé les histoires de fantômes chinois. Il y a tout un lore dans la mythologie des yokai et des morts vivants japonais que je trouve hyper intéressante. Et la faction peut avoir, comme beaucoup de factions d'ailleurs, de différents clans, dans un même clan tu peux le jouer selon différents thèmes. Et il y a les Karai japonais, donc vraiment faction morts vivants, on avance doucement, on se ressuscite. Il y a les yokai avec les démons du folklore traditionnel, et les fantômes japonais avec des samouraïs avec des fumées qui sortent de l'armure, etc., que je trouve intéressante à peindre et hyper intéressante à jouer. Donc moi sans hésiter les yurei. Et je rajoute que dans le gameplay en plus c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait croire qu'ils ont des gros sorts qui défoncent tout, mais il y a toujours une contrepartie dans la magie noire où en fait c'est pas si facile que ça à lancer, mais si tu arrives à le lancer, ça, l'effet est assez sympa. Et à l'inverse, la faction qui t'effraie à jouer, qui te paraît le plus compliquée? Alors ça va dépendre de la faction que je joue. Avec les Yurei, clairement les mini-motos c'est compliqué parce que ils ont une mécanique qui fait qu'ils résistent très bien à la magie.
et que c'est des tanks qu'on a beaucoup de mal à entamer. Ils quand même, quand ils rentrent dedans, ah bah oui, ça tape dur. C'est, ils ont beaucoup de combos attaques aussi, ça joue beaucoup de Gashado Kuro, donc ils sont des fantômes japonais qui ont la capacité durable, où ils peuvent normalement perdre qu'un point de vie à chaque fois qu'ils se font taper, et justement les mini-motos ont beaucoup de combos qui leur fait plusieurs points de vie en même temps. Donc oui, avec les Yurei, les mini-motos sans doute. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu ce que sont les Master France ? Eh bien, les GCT organisent à l'origine au UK des Masters, où c'est des tournois storyline où le vainqueur va pouvoir créer un personnage, et notamment ça va faire évoluer le lore du jeu. D'accord. Et comme c'est un jeu anglais d'origine, d'habitude les grands Masters sont uniquement au Royaume-Uni. Mmh. Et là c'est le premier Master en outre-Manche que GCT autorise à faire, donc en France. D'accord, ils ont demandé à Ben, donc de Gore Factory, d'organiser le Master. Oui, si j'ai compris. Ils ont demandé à Ben d'organiser le Master. C'est vrai qu'on a, notamment moi étant peintre depuis longtemps, il y a Légion Distribution qui a fait un gros travail de traduction, de distribution. Il y a Ben qui est hyper actif sur la communauté, donc c'est, je pense, ça remercie un peu l'évolution française et ce qu'on essaie de faire pour le jeu en France. Ouais. C'est un beau geste de la part de GCT, ouais. Studio, un bel honneur. Ouais, effectivement. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment de discussion, de partage. Vraiment, ça fait un moment que je suis ta peinture et je suis vraiment fan, simplement parce que j'en suis incapable d'arriver à un tel niveau de détail, de précision, de finesse. C'est pas l'objectif non plus, hein. Chacun, tant qu'on prend plaisir. T'as vraiment un super niveau, t'arrives vraiment à rendre justice à la qualité de la sculpture, qui sont exceptionnelles. GCT Studio produisent vraiment des figurines, en métal, une partie résine, mais des figurines d'une très très grande qualité, d'une très grande finesse. C'est assez rare aujourd'hui. On va plutôt vers du grossier, simple à monter, rapide. Quand on regarde AOS, même si c'est détaillé, c'est plutôt... Game simplifie plutôt le design, les détails, etc. Exactement. Là, on est vraiment sur de la figurine de haute qualité en termes de proportion et de réalisation. Et tu le rends vraiment grâce. Hein. Merci, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt. Merci à toi. Merci.